Hey, bonjour à tous, c'est le petit Lego Neuf. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, on va continuer avec deux nouveaux véhicules que j'ai créés. Donc, on a une Jeep Willys que j'ai faite pour les 80 ans du débarquement. Bon, j'ai un peu de retard, mais voilà, donc je vous la présente. Et j'ai créé du coup un GMC version American Cross Red Cross Club Mobile. Donc, voilà une version du GMC en plus. Donc, on va tout de suite commencer par la présentation de la Jeep et on passera avec le GMC après. Donc en fait la Jeep, hop, on va la montrer, c'était pendant un défilé, j'ai eu l'idée d'en faire une version. En fait c'est exactement le même modèle, sauf que en fait moi l'histoire c'est que c'est un passionné de Seconde Guerre mondiale. Il a sa Jeep, il l'a décorée avec les cocardes, un pare-choc qui est fait pour la commémoration, voilà, 80e anniversaire du D-Day 1944 à 2024, avec les drapeaux. Et pareil pour le pare-choc arrière, c'est écrit 6 juin 1944. Voilà, c'était juste pour une version de plus, hein, avec les fleurs qui peuvent représenter les couleurs bleu, blanc, rouge. Et donc on a sur le capot des caisses, des rations, des cigarettes, des bouteilles de coca. Je me suis inspiré d'une Jeep que j'avais vue pendant les défilés qu'il y avait sur place. Donc voilà, donc c'est une version en plus que je trouve plutôt sympa. Donc voilà, après par rapport à là, aucune autre différence par rapport à mes autres Jeeps. Ensuite, on va passer du coup au nouveau GMC. Donc le Red Cross Club Mobile, c'est un GMC qui venait dans les villes pour donner de la nourriture et un soutien moral aux soldats. Donc c'est pour ça, c'est la Croix-Rouge en fait. Donc j'ai pour ça une figurine Brickmania. Des dames qui étaient dedans. On va essayer de faire la mise au point dessus. Voilà. Donc qui est parfaite pour aller avec. Donc en fait, donc, du coup, la base du GMC, c'est exactement la même. Qui est juste à l'arrière. J'ai fait la modification. Donc on peut soulever le toit comme ça. Voilà. Et en fait, on peut voir dedans. Donc, il y a un peu d'improvisation parce que j'ai pas réussi de trouver de photos assez précises du camion. Mais voilà, mais il y a des tiroirs, il y a des tablettes de chocolat, il y a des bols, il y a des sacs. Ensuite, devant, là, on peut voir en gris, on a les réservoirs de café et de thé avec les tasses, les cookies. Donc, voilà, donc tout ce qui peut servir pour la nourriture. Donc, bien sûr, on a les panneaux qui peuvent se baisser. Pareil à l'arrière, hein. Hop, si je le baisse et j'ouvre, je ferme la porte. Voilà. Tac. Donc on va voir un petit peu de. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vachement sympa parce que c'est une version qui est très très peu faite et très peu connue parce que j'ai découvert vraiment par hasard sur internet. Voilà, et j'ai également mis une petite inscription comme quoi bah, pour une affiche de propagande américaine pour s'engager dans la Croix-Rouge s'il y avait des volontaires. Donc, voilà, avec American Red Cross Club Mobile Magnolia. Donc c'est une photo historique que j'ai trouvée et j'ai repris le même nom. Bah, les marquages viennent du même. Il y a juste les marquages au niveau des réservoirs d'eau, donc water tank, que j'ai pas. Que j'ai pas encore réussi à imprimer. Mais c'est les choses qui me manquent. Donc il viendra compléter ma collection et on peut mettre le toit facilement dessus. Voilà, et donc on peut toujours mettre des figurines à l'intérieur. Bah, poste de conduite, et on peut mettre trois figurines à l'intérieur. Si on met à côté d'une Jeep, bah, voilà, l'échelle est plutôt respecté, puis bon, il est je trouve vachement sympa comme camion. Il est différent, puis il est vachement imposant par avec le fait qu'il y ait un gros cube derrière. Ça change, voilà. Donc c'est plus un camion d'exposition. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était rapide, mais les modèles étaient néanmoins très intéressants à faire. Vous pouvez retrouver l'instruction du club mobile sur mon rubricable. Si vous intéresse.
Et donc, dans les prochaines vidéos, il y aura la présentation de toutes mes figurines que j'ai en 2024 et une whip du mock Colin 400 qui va bientôt arriver. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter et à liker. Et salut!